Un poste de police chinois clandestin en plein New York. Deux Américains d'origine chinoise ont été arrêtés lundi. Ils sont soupçonnés de travailler dans un poste de police clandestin au cœur de Chinatown, sur l'île de Manhattan. Selon le procureur de Brooklyn, ce faux commissariat était dans un immeuble de bureau anodin. À l'intérieur, ils offraient des services administratifs à la communauté chinoise. Selon la justice américaine, les deux suspects surveillaient et faisaient pression sur des opposants au régime chinois. On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a US citizen who worked at the secret police station, to help locate a pro-democracy activist of Chinese descent living in California. Le procureur les accuse d'avoir agi secrètement sur ordre de Pékin. Ce type d'antenne clandestine a aussi été dénoncé dans plusieurs pays occidentaux. En décembre, l'ONG Safeguard Defenders en avait répertorié 4 en Île-de-France. De son côté, le gouvernement chinois nie l'existence de ces postes de police et accuse les États-Unis de manipulation politique.